Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment ? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh ! Encore toi ? C'est ta boutique ? Non, c'est à mon père. Ah. Combien ? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies ? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul ? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein ? Non, il était volontaire. Vraiment ? Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus Ganesh. Ah, t'es sûre ? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire ? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Il a l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien? Simplement qu'on vérifie vos papiers. Faut que je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton Ganesh, tu en veux combien, dis-moi? Il n'est pas à vendre. Excusez-moi. Quoi ? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon Ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille.
Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont. C'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord? Ok. Bien. Merde! Monsieur! Attends. Monsieur! Non! C'est mon papa! On mangeait une glace et je l'ai perdue! Je peux pas rentrer sans lui! Ça va, ça va! Qu'est-ce qui s'est passé? Il se tenait juste là! Je parlais à quelqu'un, je me suis retourné et il avait disparu! Attendez, il est là! Il est là! Merci, monsieur! Ok, une porte rouge. C'est ça. C'est mieux que rien. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Rien de vraiment bien méchant. Allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Dehors, dehors! Merde! Allez! J'ai rien fait du tout! Saloperie d'espion. Sale brute. Non! L'affaire! Allez! Il ment! Non! Dans le camion! Mets-toi! Vous faites une erreur! Je le jure, je t'ai dit de monter, tout de suite! Je crois que j'ai pas le choix. Si tu joues, tu es joué. Va, avec moi. Hey, doucement! Où est l'urgence? Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève les bras. Hey! C'est dangereux de se promener toute seule. Hey! T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui! Je t'ai demandé où t'habitais. À Rafta. Quoi, putain, je suis occupé! Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. C'est bon. Thank you.
un peu. Je fume pas. Toi, tu sers à rien. J'en veux pas si je peux pas. Un peu les rues. On va rester dans les rues. On finit le service dans une heure. Tu peux dormir dans le camion. Non, merci. C'était le dernier ou pas? Presque. Il en reste encore deux dans l'allée. Bouge ce soir. J'ai hâte. J'en peux plus de ces gens. Non. À Savadi, une semaine. Encore une semaine dans ce putain de trois rats. N'oublie pas l'objectif final. T'as toujours la bouteille d'arak à la noix de coco? Peut-être bien. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ma gratitude éternelle. Ça va pas suffire. Où t'as réussi à dénicher une bouteille d'arak? Au bout de la rue, là-bas. Ce type en avait toute une collection. Tu crois qu'il en reste? J'ai pris que deux bouteilles. J'irai voir plus tard. Ok. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est? Rien du pied. Un mouvement depuis longtemps? Depuis longtemps. Je suis avec Assad depuis qu'il chasse des artefacts partout en Inde. J'ai hâte de me battre pour de vrai. Cet endroit est merdique. Assaf dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Le gouvernement ne nous prend pas au sérieux. Ça va plus durer très longtemps. Séparez-vous et fouillez la zone. Ils
semaines qu'on est là. Quand est-ce qu'on bouge? Pas tant qu'on n'aura pas vidé cet endroit. Hé hey, toi, là-bas! Alors? Hé hey, t'es là? Tout vidé. Ok, faut qu'on atteigne le toit. Ne fait pas les choses à moitié. Pink Lotus. J'imaginais autre chose. On dit qu'il y a au moins deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel? Maintenant, je te tiens. T'es coincé, jeune fille. T'es en retard, Fraser. J'ai envie de te voir aussi.
tu joues à la fin. Je te croyais professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. J'avais planifié un itinéraire dans les rues, mais ils vont nous chercher maintenant. Tu suggères quoi? Je vais trouver une solution. Suis-moi. Je t'aide à monter. Et voilà. Merci. Suis-moi. Ah, c'était pas si compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patience. Là-haut! Tu rigoles? Non. Je vais y aller doucement. T'es sûr que ça va tenir? Non. Allez, par là! Tu réalises qu'on s'éloigne du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Je vais l'éliminer. Non, je vais l'éliminer. Cobra 1, Cobra 5, à vous. Bien reçu, Cobra 1. Allez, au pit Plotus. Ça bouge par là-bas. Terminé. Reçu, Cobra 1. Merde. J'étudie juste nos options. Bouge pas. En tout cas, ma mère aime bien sa réputation.
Désolé. Et si on évitait les caisses à partir de maintenant? Ok, c'est bien. Fourniture de bureau gratuite, si tu veux. T'es toujours aussi bavarde quand tu bosses? Ouais. C'était pas si compliqué. Bah quoi, c'est vrai. Ça prendra qu'un moment. Ça marche aussi. Trouvons le disque. Merci infiniment. Tu surveilles nos arrières? Ouais. La vache. On se croira chez un antiquaire. Il a pas perdu son temps. Il y en a pour combien, d'après toi? Assez pour que sa petite insurrection tienne un moment. Oh, c'est affreux. Il y a un paquet de chats bizarres ici. À ce propos... Bien vu. Ça te choque pas? Tout ça, c'est des artefacts indiens. C'est pas mon combat. Destructeur et transformateur. Sala et le tigre. Il est peut-être plus près que je croyais. Ça manquera à personne. Enfoiré. Ah, Lakshmi, déesse de la richesse.
je vais emprunter ça. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là? C'est fermé. Pas pour longtemps. C'était quoi cette carte? Les Ghats occidentaux, le territoire des Aïssala. Oh merde! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contretemps. Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène? Et ça, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le Pink Lotus. Quoi ? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? 3 invasions perses, 3 guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Ça veut dire non? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie. Arrêtez-les! Là, on est bien. Allez! Il faut qu'on traverse la rivière! Arrêtez-la tout de suite! Voilà! Ok.
Qu'est-ce qui t'a pris là-bas? Brutal, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que t'as laissé Asav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais. J'espère que ton ami est là. Merde! Faut pas traîner ici! Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yoysala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Asav? T'en fais pas. Si Asav est pas déjà au Gat, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes. Du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. Tire un genre de clé. Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche. Était à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. En fait, faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Bon travail.
fait une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Ossala ? Oï, Sala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi ? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non ! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté, on a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense, tu t'occupes d'Assav. Compris. On se retrouve à la voiture ? Ouais. Ah, exactement là où je l'avais laissé. Quel paysage incroyable. En fait, hein. Et voilà. Ok. T'es toujours là-dessous ? Ouais, toujours là. Ok, je voulais juste en être sûr. Tiens, donne-moi ta main. Sors, t'inquiète. Ok. Tu veux que je conduise ? Non. Ça me dérange pas. Moi, si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Oh, et si on profitait un peu de ce havre de paix ? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là ? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non ? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Oïsala. J'avais jamais entendu parler des Oïsala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous ? Regarde ça, une réunion de flamants rouges. Wouh !
Ouh, ça rafraîchit. Merci. T'aurais pu me prévenir. Oh, t'es pas marrante. Alors, tu fais du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non, pas vraiment. Attention, vent, ralentis. Regarde un peu ça. Les ruines, Oysal. On peut passer cette porte. Je vais aller voir. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Alibidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Ben, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alibidou, la toute nouvelle capitale d'Oysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies, mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hey, y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. Ça devrait faire la fête. C'est une embuscade! Merde! Baisse-toi! Merci pour la faute! Ok, c'est fini. Ce mur a l'air fragile. Et au fait, j'ai trouvé la défense de Ganesh. Ok, où on en était? J'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Ah oui, c'est vrai. Et voilà le travail. T'es bien silencieuse. Juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans ce genre de métier, sensiblerie. Quoi? C'est juste de gros rongeurs volants? Techniquement, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Elles sont plus proches des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Allez, 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 allez! Allez, allez! J'ai un rendez-vous, moi! Je suis passée. Arrête! Assav. Ah. T'as de bons yeux. Merde.
Il a tout un bataillon avec lui. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cas. T'as un plan ? Ouais. Bien sûr. Des nouvelles de Cobra 1 ? Le tout pour le tout. Ils vont appeler si c'est chiant. Mais... Plus rien. Exactement comme prévu. Ouais. Le mécanisme doit être au-dessus de la porte. Manivelle au-dessus de la porte.
Ça doit être ça. César, mais... Ok, tu peux y aller. Attention. T'inquiète. Ah, je reprends la place. Je suis tout à fait capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle. Mais je préfère que ce soit moi. Waouh. On n'est pas sortis de l'auberge. C'est vrai, mais on a un avantage. Pas comme ton copain, Asav. Les trois symboles. Regardons la carte. Ok, voyons. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Regarde cette tour. Waouh. Je parie qu'on a une super vue de là-haut. Peut-être. Ok. Je vais surveiller Asav. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Je ne devais pas attendre beaucoup de toi. Attends, c'était un compliment? Parce que ça ressemblait à un compliment. Ces hommes sont des idiots, mais Asav est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible. On peut faire confiance à des gens comme Asav. C'est facile. Ils trouvent des hommes faibles et leur offrent le pouvoir. Ils leur donnent un but. Un but? Ça ressemble plus à des conneries pour moi. Comment tu t'es retrouvé avec Asav, en fait? Un but? Je préfère ne pas en parler. Il devait sûrement avoir un faible pour toi. M'en parle pas. Il m'a été utile à l'époque, mais... Où est-ce que tu vas? Tu grimpes avec moi? J'aimerais bien, mais... Il faut bien que quelqu'un monte la garde, non? Bien vu. Toujours plus haut. Tout en douceur. Tout va bien là-haut? Pour l'instant, ça va.
Oh non, Fraser! J'y suis presque. Et voici nos trois symboles. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. Voyons un peu ça. Dirigez droit vers ces ruines Oysala. C'est une vieille forteresse au creux de la montagne. Je vais l'indiquer sur la carte, avec une hache. Et derrière la porte numéro 2... Je me demande ce que c'est. Je note pour plus tard. Voyons un peu ce que cache la porte du trident. Encore une vieille forteresse, juste au-dessus des chutes d'eau. Je vais le noter avec un trident. Et la dernière, la porte de l'arc. Et encore une vieille forteresse, en plein milieu du lac. Je noterai un arc sur la carte à cet endroit. J'aurais dû vérifier s'il y avait un bouton d'appel. Alors, ça valait le coup de grimper ? Et comment ? J'ai trouvé les trois symboles. Vraiment ? Ouais. Chacun était dirigé vers une forteresse différente. C'est sûrement là qu'il faut aller. Nickel.